Airborne. Merci Xtadia, remerciez tous Xtadia, félicitez-le, il vient de gâcher. Franchement j'en ai mis un. Il vient de gâcher l'intro de cette vidéo. Enfin bref, ce n'est pas très important. Salut les gens, comment allez-vous? Répondez donc dans les commentaires pour faire dans l'interaction comment allez-vous, je vous le pose la question. Nous sommes dans un épisode de ma première fois, parce qu'en effet ma première fois ça peut se faire une deuxième fois. Mais cette fois sur les jeux vidéo. Donc je suis avec Xtadia. Salut. Et avec CY. Parce qu'il faut savoir que c'est moi qui... Bonjour. Xtadia ta gueule. Bon, et donc CY, moi et Xtadia, parce que Xtadia est moins important, donc il passe en dernier. Non, j'ai connu, il passera en premier, parce qu'il me dit qu'il y a une petite blague à faire. On va vous raconter notre première fois sur le jeu vidéo, et le prochain épisode... et le prochain épisode, on essaiera d'inviter des abonnés dans ce genre d'épisode. Sommes-nous d'accord? Oui. Et pour le gameplay, vous allez pouvoir attendre un petit peu... On gagne de l'argent ou pas? Parce que moi, je suis pas d'accord si on gagne pas d'argent. Tout dépend de la partie d'Xtasia, si on rentre ou pas dans la partie vite fait ou pas. Donc voilà, je laisse Xtasia commencer par décrire sa première fois. Dans les jeux vidéo. Ah merde, putain, mais je pourrais pas faire ma blague alors. Bon, alors sa première fois. Non mais là, c'est pas grave. Bon, bah alors ma première fois, bah c'était à Noël, je crois. Je devais avoir 6 ans, quelque chose comme ça. Et alors ma mère était là et puis bon bah tu vois on ouvrait les cadeaux et tout ça. Et d'un seul coup je vois un gros carton, je dis oh putain c'est quoi ça. Puis bon c'était balèze parce que c'était... Mais non il y avait la dernière PlayStation, enfin la première PlayStation. Donc, tu vois la PlayStation était quand même balèze à cet âge là. Mm-hmm. Et donc... Enfin même toutes les PlayStation sont grosses. Alors j'avais hâte de l'ouvrir, bon. Alors je l'ouvre puis là je tombe sur la PlayStation puis tu vois. Puis je savais pas ce que c'était. Je reste neutre. Je réagis pas tu vois. Alors, bon bah, je demandais à ma mère ce que c'était, elle me disait, ouais, c'est super la mode, ça vient de sortir et tout ça, je dis, bon bah, ok, vas-y, on va voir. T'imagines, c'est les pastèques en carton, ça vient de sortir. Tiens, je vais mettre un Airborne. D'accord. Oui, non, mais c'est parce que je suis sur l'Unreal Landing, donc... Facile. Bon, alors, on installe la PlayStation, et puis, vu que c'était la première console, tu vois, on n'avait pas vraiment envie de faire de conneries, tu vois. Parce que maintenant, t'as envie de faire des conneries, t'as envie de l'acheter par la fenêtre. Quoi? Parce que maintenant t'as envie de faire des conneries vu que c'était une autre console. Non mais ce que je veux dire par là c'est que quand tu lances la PlayStation il y a un mode d'emploi, c'est tu modifies l'heure, la langue et tout ça. Ah t'as tout regardé. Et ouais voilà, justement on a tout regardé pendant toute la soirée. En fait on avait ouvert la PlayStation le matin tu vois. Et toute la journée à lire le manuel. Voilà. Dans toutes les langues. Même en chinois. Pas non. Mais en effet on a pas joué de toute la journée quoi. Mais ça c'est ta première console, mais quand est-ce que ta première fois mais t'as joué quoi? Bah ma première fois ça a été sur le jeu Tintin. Ah ouais? Tintin ouais. Waouh, ça c'est la classe. <C'est>... Je sais plus comment il s'appelait ce Tintin. Ah non c'était peut-être Donald Duck. Oh je me rappelle. Ah c'était bien, c'était fun, on se tapait des délires. Ah d'accord. Ah, ouais. Voilà quoi, c'était ça ma première fois. Sympa ça, c'est sympa. Bon bah CY hein, CY. Et attends, raconte-nous un peu plus en détail comment c'était Tintin. C'était comment avec Tintin? C'est toujours méchant mais... Franchement je trouve ça sexy tu vois. Quoi? Une belle... Il avait un petit hinche. Il a un petit truc qui pointe sur la tête. Tu sais, je vais vous dire un truc, pendant longtemps j'avais deux pluches fétiches que j'emmenais tout le temps, ou alors dont je me servais de comment ça s'appelle de doudou, enfin non d'oreiller, parce que vous savez les gamins des fois vous les croisez dans la rue et vous vous dites putain mais quand même les gens qu'est-ce qui fait qu'ils choisissent ce doudou ou un autre, parce que des fois les gens ils ont des doudous mais vraiment ignobles, genre imaginez vous avez un petit chinois en doudou, c'est moche. Désolé. <yeux. rire> Non c'est pas bon. Il y a des gens ils ont des doudous bizarres et moi ce que j'avais c'était Pampan, donc un gros Pampan très sympa, très douillet, je m'en servais d'oreiller, donc Pampan dans... Non attends c'était pas Pampan c'est la blague non. À deux balles, Pampan, non. Non je comprends avec Peter Pan. Non, Pampan c'est dans Bambi. Et le deuxième Milou. C'était Milou, seulement que Milou je sais pas comment il était quand je l'ai eu mais maintenant il est orange. Donc il y a peut-être un petit bug, j'ai dû m'en servir comme couche peut-être. J'ai plus de souvenirs, écoutez. Donc faudrait que je demande quand même de quelle couleur elle était quand on me l'a offert. Parce que s'il était blanc, c'est inquiétant. Et s'il est orange, c'est un Milou chinois.
Je pense pas que l'ancêtre de Tatin, enfin de Milou, était orange. Bah arrête, mon chien, la Ben, c'est un chien du Tibet, peut-être qu'ils ont des rapports. Parce que vous savez, là on part totalement live, mais c'est pas. Attends, peut-être que j'ai rejoint la partie. Non, toujours pas, bon, de toute façon, on s'en fout. Peut-être, en fait, ça va être un débat, ça va même pas être du gameplay. Vous savez qu'à l'origine, tous les chiens sont des races créées, c'est-à-dire à l'origine, c'était un loup. Et au fur et à mesure des années, comme ils se sont associés avec les humains, on va dire, associés, c'est pas comme s'il y avait un pacte de non-agression ou quoi. C'est de la politique, tout ça, tu sais. Les loups nous dominent. Et bah du coup tous les chiens qu'il y a maintenant c'est des variantes qu'il y a eu, c'est-à-dire que au fur et à mesure en plusieurs années il y a des tests qui sont faits, tu peux faire en sorte à ce que ton chien soit façonné de telle ou telle manière selon ce que tu veux. Tout dépend de comment j'allais dire comment tu t'en sers, non mais c'est pas une poupée gonflable mais. Bon ouais voilà, la parenthèse est fermée, nous allons te laisser CY parler de son premier jeu qui s'appelait Je mange des chiens. Ah mais je me sens tellement bien là, j'ai besoin de dire des conneries. Non mais tu vois, moi avec les origines, dans mon berceau j'avais déjà la PS5. Tu vois, mon père il l'avait construit avec un bout de bois. Il l'a fabriqué avec un bout de bois. Ouais exactement, ah ouais. Avec un barreau du berceau. Et celui-là il te sert pas beaucoup, ouais. Alors bon, une PS5. Non, sinon en vrai, c'est ma tata qui habite au Japon qui m'a offert ma première Game Boy. Elle est chinoise ou elle est d'origine chinoise ou japonaise? Taïwanaise, elle est d'origine taïwanaise. Ah ouais. Et genre elle m'a offert les Game Boy, tu vois la Game Boy Color? Mm-hmm. Ouais, ah oui, c'est la génération encore avant, c'est juste que tu vois, la Game Boy elle est pas en couleur. Au moment où t'as dit Game Boy, j'ai réussi à rejoindre la partie. Ouais, et moi j'avais un pote, tu te souviens de Bibo? Et bah Bibo il avait une Game Boy Color avec un petit truc que tu pouvais mettre au-dessus, que tu pouvais accrocher, qui faisait de la lumière en plus tellement la luminosité était pourrie. Ouais, bah j'avais la même. Sérieux? Ah ouais. Ouais. Donc, moi tu vois c'était la génération avant, et puis ouais elle m'a filé des jeux chinois que je connaissais pas, je comprenais rien, tu vois, c'est genre j'avais 6 ans, je comprenais rien. Déjà un jeu vidéo c'est galère à comprendre, mais si genre chinois et qu'il est d'origine chinoise et que voilà, chinois là, voilà. Non mais c'est en japonais. Chinois, japonais, what the fuck. Au Japon. T'as pas galéré pour jouer? Si, justement, j'ai jamais fini un seul jeu, j'ai même pas fini faire la moitié. Tu sais, quand tu te disais des codes, fallait retenir des katakana, etc. Tu le mec qui galérait. Ouais, c'est ça, t'sais. Et puis, comment? Ouais, donc, et puis après, du coup, j'ai ramené la console chez moi. Pourquoi t'étais... Et puis, je me souviens, ouais, oh. Après... Attends, tu l'as eu où pour la ramener chez toi? À Taïwan. Ah cool. Et puis je l'ai ramené chez moi. Après j'ai échangé des jeux avec mes potes, tu vois, normal. Le mec il t'a arnaqué. On m'a prêté Batman. Batman alors. Batman ouais. Combien? Enfin, combien? 25-7. Du tout le 2, c'était Batman. Je sais que c'était Batman mais je me suis. C'était le truc du dernier film là. Si ouais il l'a eu en avant-première. Ouais voilà c'est ça. Oui. Exactement. Ouais, Airborne! Ça se trouve, c'est ouais, ça. Donc ton premier jeu en fait c'était quoi? C'était un jeu chinois, donc ça va pas nous ressentir le nom. Ouais, c'était un jeu japonais, ouais. Chinois ou japonais, bordel? Japonais? Ouais, je croyais chinois. J'avais des schtroumpfs aussi. Oh, ça doit être rigolo. Oh, j'avais les T'avais schtroumpfs. Les schtroumpfs de KDK testé Joueur du Grenier ou pas? Un truc du genre? Je n'ai pas vu cette vidéo donc je ne sais pas. Ouais, il a sorti une vidéo aussi il y a pas longtemps, Joueur du Grenier. Genre, c'est un jeu de plateforme, tu vois, et puis tu contrôles les schtroumpfs, tu vois. Ouais, les jeux de plateforme qui sont tirés de dessins animés très souvent sont bien faits, mais d'une difficulté hors du commun, c'est ce qui en a fait la valeur pour que Joueur du Grenier teste. Voilà. Ouais, donc voilà. C'est tout. Pour le moment. J'arrête pas, j'ai à fait 2 kills, 2 airborne assaut. Ah non, 3. Ouais, moi, alors, vous désirez savoir comment s'est passée ma première fois sur un jeu vidéo? Ta première fois avec Milou. C'était pas un jeu Tintin ma première fois. Alors moi carrément je vais vous dire mais les premiers jeux qui m'ont vraiment marqué. Donc en fait c'était avant que je parte au Japon parce que pour ceux qui savent... Un truc de cul encore c'est ça? Encore un truc de cul. T'es parti au Japon? Oui j'ai vécu 5 ans au Japon donc aujourd'hui c'est spécial Japon. Ah ouais la classe. C'était pour le travail. Ouais on mange ouais, des sushis. J'aime bien les sushis. Et bref. Oui je me doute qu'au Japon on mange des sushis. Hein. Je t'imagine le mec qui lui apprend tout. Ah bon au Japon on mange des sushis? Je savais pas. Donc oui, c'était avant que je parte au Japon, ma grand-mère m'avait offert une Game Boy, je me souviens. Une Game Boy SP, donc moi je suis pas aussi old school que vous, hein, je suis un peu plus récent. Et donc, je sais pas si vous voyez laquelle c'est, au pire vous tapez sur internet, j'essaierai de mettre une image au montage. Oui, c'est la première oui un écran et de luminosité au réglage, ouais.
Donc c'était vraiment sympa, tu vois, j'avais pas me niqué les yeux, c'est pour ça que je porte pas de lunettes. Je pense que c'est la Game Boy qui a tout fait en fait. Si les gens portent des lunettes, c'est à cause des Game Boy, je pense que c'est ça. Non, parce que moi je portais déjà avant d'avoir la Game Boy. Bah ça t'a aidé à en avoir encore plus longtemps. Bon bref, théorie de merde. Non. C'est héréditaire. Eh, le port de lunettes est héréditaire. Bah oui. Non. Non mais la vue. Tu te rends compte de la connerie que tu viens de me sortir? Tu t'imagines naître avec une paire de lunettes dans la gueule? On aura besoin forcément, t'as tes gènes qui font que... Eh, j'arrête pas de faire des arbres en assaut, c'est incroyable. Donc bref. Ouais, c'est fantastique. Oui, c'est génial, ça n'a aucun rapport. Donc j'avais une Game Boy SP, et évidemment, un des premiers jeux et les plus connus du monde, dont toute la licence, je crois, dépasse Mario et Call of, cette dernière licence qui a été le plus vendue, c'était Pokémon. Alors j'ai pas commencé par les premiers Pokémon, non, j'ai pas eu cette chance. Même si après j'ai eu les versions mais en anglais, donc à 8 ans je galérais. Mais c'était sympa. Ma première version c'était, je sais plus si, je crois que c'était Ruby. Et ensuite j'ai eu Saphir, ensuite j'ai perdu 15 fois ma console, donc je raconterai ça après. Donc j'avais eu ça, et genre je me souviens j'avais aussi eu un magazine avec dessus, écrit ouais c'est la rentrée, plein de nouveaux jeux etc. Et il y avait un gros autocollant, putain ils sont combien, de Groudon, le Pokémon fétiche, enfin le personnage phare on va dire de la version Ruby. Et donc je me souviens je suis parti au Japon etc, j'y ai joué beaucoup de fois, j'adorais franchement, c'était énorme. Maintenant quand je rejoue à un Pokémon etc, j'ai pas du tout la même sensation. Parce que je sais pas, c'est les premiers, c'est tes premiers pas dessus, quand tu découvres un jeu vidéo c'est vraiment ouf, c'est limite mieux que pas que faire sa première fois réelle quoi. Et oui, Xtasia, ta première fois c'était sur site claramorgan.com. Oui. Voilà, il nous l'a annoncé. Donc bref, j'arrête de raconter des conneries. Franchement ouais, c'est les premiers jeux vidéo ça le fait à tout le monde, on sait très bien que c'est vraiment énorme, sur les jeux vidéo en tout cas. Et voilà. Et donc, je me souviens, je sais plus combien de fois je l'ai perdu. Dans le métro, dans le bus ou des trucs comme ça. Je l'ai perdu, il me semble, deux fois. Donc la première fois, elle a été rachetée, il me semble, à Singapour. Et la deuxième fois, elle a été rachetée au Japon, tout simplement. Et celle-là, j'y ai fait gaffe. J'ai collé plein d'autocollants. Quand je la retrouve, bon, elle marche plus, mais il y a tellement d'autocollants dessus, c'est impressionnant. Les autocollants, que ça soit des dauphins, des monstres, le Pokémon, là. Il y a quoi, des stickers qui viennent du film Toy Story. Alors, explique-moi ce que ça fout sur une Game Boy. Et franchement, moi, j'ai kiffé. Les jeux que j'ai le plus kiffé, c'était les Pokémon. Et ensuite, est venu sur PC, un des premiers jeux qui m'a marqué. Même si quand je l'ai eu, j'y ai à peine joué parce que je comprenais pas les touches du clavier. Je savais pas ce que c'était bien un ordinateur. C'était Rayman Hold'em Havoc. Ah oui, je crois que je l'ai eu celui-là. Le genre de jeu, respect mec. Donc c'était vraiment un des Rayman les plus sombres. Et je me souviens avec un pote, on avait essayé quand je sais plus si j'étais au Japon ou pas, mais bon, je l'avais eu sur PC et je comprenais pas les touches, tout simplement. Et un peu plus tard, j'ai compris les touches. Je crois que j'ai réussi à le finir finalement, mais j'ai vraiment plus souvenir de, j'ai juste souvenir vite fait du boss de fin, mais c'est tout. Donc voilà, c'est un peu bête. Mais sinon, ouais, les premiers jeux, c'est vraiment ceux qu'on kiffe le plus. Tout le monde vous le dira. Il y a plein de youtubeurs qui disent ouais. Maintenant, dès qu'on découvre un nouveau Call of, c'est bien, mais voilà, c'est pas extraordinaire. Les jeux d'avant, quand t'étais gosse, tu trouvais aucun défaut, tu trouvais que du paradis, que du bonheur. Sauf quand tu perdais deux fois l'affilée ta console avec à peu près 15 jeux à chaque fois. J'étais un sacré bolos. Non, y a pas de blague, tu le restes? Non. Non, bon, c'est cool. Non. Ça fait plaisir. Ouais. Ouais, reste-y si vous étiez bien. Donc je pense que là on va finir la vidéo parce qu'on va direct enchaîner sur une autre vidéo, le test des pistolets, donc je sais pas laquelle sortir en premier. Peut-être le test. On s'en fout, ok? Non mais oh, on s'en touche la nouille. Voilà. Les gens, j'espère que vous avez passé un bon moment à nous observer en train de chamailler pour savoir quel était le meilleur jeu quand on était gosse. Et maintenant, sachez que la prochaine fois, je vais essayer de bien m'y prendre sur Twitter. Ouais, je vais utiliser Twitter, tiens. Et bientôt, je vais faire une tweetcam aussi, je vais essayer. Ce que je vais faire, c'est... Twitter, oui. À la rentrée, par là, je ferai une tweetcam, c'est sûr. Et ouais, voilà, j'ai rien d'autre à ajouter. Et la prochaine fois, on essaiera de s'arranger avec Twitter pour trouver un abonné ou qui participera à la vidéo, parce que c'est plus sympa. Là, les deux premiers épisodes étaient faits avec des gens de la TV, mais la prochaine fois, il y aura en plus ou en... le même nombre de gens. Voilà. Êtes-vous satisfait, messieurs, dames? Tout à fait. Oui. J'en demandais pas tant.
Et je suis fatigué. Bon alors les gens, au revoir.